Du métro, t'es en train de boire tranquillement, on va dans le métro, on avance, là il fait, j'ai oublié la bouteille sur le quai. Je suis arrivé à Chelles, je retrouve Camille et Philippe, et puis après on va tous en direction de Fontainebleau pour retrouver le reste du groupe. On est là et on va là. C'est tout droit. Gare d'Avon 9h22, nous sommes en retard mais on n'est pas les seuls. On a récupéré à peu près la moitié du groupe et on mange des noisettes. Noisettes. Noisette et des amandes. Fort en pomme. Si t'es fort en fleurs, tu la connais toutes dans Paris. Ouais, dans Paris, ouais. Allez, Marguerite, géranium. Non, en fait, j'étais hyper impressionné par la diversité qu'on trouve à Paris. Franchement, j'étais sur le cul. Parce que le premier jour de stage, j'ai rempli toute une feuille de toutes les plantes qu'on trouve dans Paris. Et j'étais un peu sur le cul par tout ce qu'on avait trouvé en une journée, quoi. Alors qu'on n'a pas fait des trucs incroyables, on a fait la BNF, Bercy, Jussieu, etc. Bah, je propose un défi de canis, c'est le premier qui trouve un châtaignier à gagner. J'avoue. Ouais, parce qu'on a vu des noisetiers, des chênes aussi, on doit pouvoir faire des cannes en chêne, mais on n'en a pas. Donc, mais si, mais c'est un châtaignier. C'était Quentin Lautier qui s'était fait un bâton en chêne. Défi du charru, bah. Check. C'est moi qui l'ai vu. Châtaignier, je crois. Aucune idée. Je crois, hein. Le botaniste vous parle. Est-ce qu'il n'y a pas un Roger qu'on tasse? Alors, prend un Roger, on sape dessus, ça fait mal, c'est que c'est pas du châtaignier. On vous invitera aussi à faire des commentaires sur YouTube, hein, et comme ça, si vous reconnaissez que ça, c'est pas du tout un châtaignier, vous pourrez nous insulter. Ouais, c'était Zippo, hein, la vie de Zippo, c'est un châtaignier. Moi, je dis qu'il bluffe. Nous arrivons dans la clairière, il y a même un petit banc. Petit banc. Il y a une vue. 4, il y a une table. Et 5, il y a une aire de combat. William, sur les traces de chemin où ils étaient perdus la dernière fois, c'était ici. Sorti de nulle part. Sur les traces du William sauvage. Allons pique-nique. Il y a un sentier bleu qui s'appelle la tour de Neko. Ouais, on y est bientôt. C'est le numéro 2. Toi, t'as lu un panneau. Bah, c'est pas mal. Allez Amélie, ouais. Et c'est là que le parcours est utile. Non, moi je veux que X et William passent de la canne. Il y a que 5 mètres de chute. Pour faire de la canne. Ah, c'était pas le bon chemin. La bourse ou la vie? Oh, pousse! Pas la tête, bande de salauds! Piou! C'était pas armé! Ah, je vais faire la rose couverte pour me protéger! Vous êtes foutus! Rien ne passera plus! Aïe! Vous êtes deux là-bas! Thank you.
Attends, William, qu'est-ce qu'il y a par là? Une baraque à un moment donné. Ouais, si, c'est là. Bah, mais juste là, comme ça, en plus? Bah, là. Mais putain. Mais j'aurais passé ma journée ici, moi. Bon, apparemment, on n'est pas les premiers à venir. Non, non. Ah, c'est... C'est pas vraiment... Enfin, c'est pas une baraque, ça a jamais été une baraque. C'est plus un atelier, un truc... Tu déconnes pas? Non, je ne déconne pas. Ouais, bon, on y va alors. C'est à gauche? C'est à gauche? À droite? À gauche? Ouais, pas, hein. À droite? Cool. Des marches. Des marches tout aussi abandonnées. Voilà qui vivent. Bonjour, on fait que passer. Monsieur, bonjour. Ça vous dérange si on monte? Ouais, ça me dérange pas. Ouais. On reste vraiment très peu de temps. Ah, oui, ah oui, il est fermé pour pas qu'ils viennent, ouais, pas qu'ils entrent. Apparemment, il n'y a pas que des sangliers qui viennent. Non, il n'y a pas que des sangliers. Mais il y en a partout. Ouais. C'est un skatepark, ça a été transformé en skatepark. On dirait. Il n'y a pas autre chose après, non? Tu m'as pas... Il y a un aéroport abandonné, tu me l'as pas dit. On pourrait faire un spot de canne là-dedans. Voilà, c'était le spot abandonné. Ces marches... Il faut fermer la porte parce que le monsieur nous a dit que sinon les sangliers ils pouvaient rentrer. Alors ça va être des bêtes de sangliers, hein. On ferme, hop, voilà.